À connecter Sept-Îles et Port-Cartier cette semaine, changement de cap pour les infrastructures sportives à Sept-Îles, du talent plein l'écran et généalogie des racines aux feuilles. La ville de Sept-Îles fait volte-face. Au lieu d'un nouvel aréna à deux glaces, la ville opte finalement pour un complexe comprenant une glace et un centre multisport. La nouvelle construction viendra remplacer l'aréna Conrad Parent qui ne répond plus aux normes. Ce qu'on avait devant nous à ce moment-là nous dirigeait vers un deux glaces. C'est ce que nos équipes nous disaient. Et moi, j'ai des équipes qui travaillent pour nous à la ville et qui font ces analyses-là, mais ils nous disaient c'est deux glaces. Il y a quand même des choses qui ont évolué, passablement. Entre autres, tout ce qui est question de ligue de hockey pour les jeunes, le hockey mineur. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'organiser des ligues scolaires, un peu comme on le voit dans d'autres sports. Et ça impliquerait que les pratiques pourraient se faire beaucoup plus le jour. C'était des grilles horaires qui n'étaient pas occupées du tout. Alors, on viendrait avec ça combler une grille horaire en plein jour. Et le besoin, tout d'un coup, il est moindre au niveau des glaces. Présentement, ce qu'on voit, c'est que le hockey scolaire, oui, est présent depuis quelques années, mais les jeunes participent quand même à l'Association du hockey mineur. Je dirais qu'à peu près le 2/3 qui font le hockey scolaire sont à l'Association du hockey mineur. Donc, les données ne sont pas vraiment bonnes, si on peut dire. Peut-être qu'un jour, si le sport-études embarque vraiment, là, il y aura peut-être une possibilité où ce que les heures de jour seront les plus utilisées. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Il y a aussi le hockey pour adultes. Je sais que vous représentez le hockey mineur de cette île, mais vous êtes quand même au courant que le hockey adulte, les plages horaires de soir sont de plus en plus difficiles. Est-ce que d'avoir une nouvelle aréna permettrait quand même de réorganiser un peu les horaires? Bien oui, moi je suis président présentement de la Ligue des vétérans. On est à notre 58e année. Les heures pour les adultes, on les oublie aux autres aussi. Il y a comme le volleyball, beaucoup d'adultes qui pratiquent le sport, le volleyball en soirée. Les adultes, c'est la même chose. On est chanceux, la Ligue des vétérans, on réussit à avoir une heure et demie de match à 8h30 et un autre à 22h. Mais la plupart des ligues sont toutes à 22h. Donc, quelqu'un qui travaille comme à l'Union Alouette et qui doit se lever à 5h le matin, finir un match à 11h30 le soir, ces choses-là, ça vient tard. La ville de Sept-Îles prévoyait dans son programme de dépenses en immobilisation 2018-2020 25 millions de dollars pour la construction d'un nouvel aréna. Est-ce que le contribuable a les moyens de payer pour un nouveau complexe multisport puisqu'il paie déjà les 14 millions de la nouvelle piscine? Il n'est pas question de bâtir un complexe comme on va construire, comme on l'a fait pour le complexe aquatique où on n'avait pas les subventions assurées pour le faire. On s'était, semble-t-il, fait promettre, parce que c'est pas moi qui étais là, mais on s'était fait promettre des choses. Et finalement, à la toute fin, les subventions n'étaient pas au rendez-vous. Et ça n'a pas été très aidant pour notre dette, là, on va se le dire. On travaille avec un cadre financier depuis 2015. On veut le respecter, notre cadre financier. On va le réviser. Là, on est en plein exercice de budget. En même temps, on va réviser notre cadre financier. Il est clair qu'il faut que les subventions soient au rendez-vous. Et ça, je l'ai dit d'emblée, on va travailler énormément pour aller chercher ces subventions-là. Et c'est là que je disais tout à l'heure, s'assurer que les fédérations des différents groupes sportifs se mettent au travail aussi. S'ils veulent continuer de rayonner partout au Québec, pouvoir accueillir les Jeux du Québec comme on l'a déjà fait, il faut s'assurer d'avoir des infrastructures à niveau. Il ne faut pas nous oublier là-dedans. Des fois, on a tendance à penser parce qu'on est un peu loin là, de Québec, on nous oublie un peu. Moi, je suis confiant. Là, on a eu des bonnes rencontres. En tout cas, aujourd'hui, moi, je peux vous dire que j'ai eu des bonnes rencontres avec le bureau, le cabinet de la ministre Charest, qui est au loisir. On va avoir de l'accompagnement. Je sens qu'on va avoir un bon accompagnement. Mais on vise toujours aujourd'hui un projet tiers-tiers-tiers. Un tiers pour le fédéral, un tiers pour le provincial et un tiers pour le milieu. Et ce tiers-là, moi, je souhaite qu'on ait un partenaire ou deux privés qui aimerait se joindre à un projet aussi structurant que celui-là. Le maire travaille beaucoup avec le budget, c'est normal, je pense, comme n'importe quelle famille. Sauf que, est-ce que le projet aurait dû être fait avant? Oui. Moi, ce qu'on considère, c'est que ce projet-là aurait dû être lancé avant. Et là, aujourd'hui, on aurait pu amener peut-être une nouvelle avec un bloc sportif intérieur annexé aux deux glaces, qui, avec Carbonor, a donné trois glaces. Je pense que le projet aurait dû être là plus longtemps que ce qu'on parle aujourd'hui. Là, c'est facile parce que là, un projet était refusé,
Là, on pense que ce projet-là avec le centre devrait passer et c'est la raison qu'ils nous ont donnée et budgétaire aussi. Une firme d'architectes a reçu le mandat d'étudier différentes options selon les besoins et les budgets. Les solutions retenues seront connues au mois de décembre. Émile, je sais qui tu es, mais je serais étonnée que tu te rappelles encore de moi. T'étais tellement jeune à l'époque. Je m'appelle Adela et je suis ta sœur. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Baudin, j'ai 15 ans et je suis la réalisatrice du projet Adela. Et moi, je suis Marie-Lou Arsenault, j'ai aussi 15 ans et je suis la co-réalisatrice de la série. La web-série Adela est un projet sur lequel on travaille depuis mars 2018. Ça fait donc un beau bout de temps qu'on travaille là-dessus. J'ai vu un jeune de 19 ans qui avait réalisé ça à Montréal, puis en voyant ça, je me suis dit « Pourquoi pas n'en faire une par nous-mêmes? Si lui est capable, c'est nous autres aussi, on serait capable. » Fait que c'est comme ça que j'ai commencé le projet. Sinon, ben c'est une idée qui nous est venue à nous deux. On l'a réalisé ensemble avec toute l'équipe en arrière de nous ici. Les jeunes filles se sont vite rendues compte que de grands défis les attendaient et que de créer une web-série était plus complexe qu'elles ne le croyaient. Cette première journée de tournage fut très chargée, puisque nous avons dû s'adapter prise après prise. Comme pour la scène 11 où la réplique de « Ouais, OK » a été reprise une dizaine de fois. Que de fou rire! Bref, après cette première journée, l'équipe d'Adela, on a continué à tourner toute la semaine. Cette semaine-là, ça a été une semaine des plus mémorables et chargée de notre été. Nos jours de tournage étaient vraiment beaucoup occupés. Il y a même un jour qu'on s'est réveillé à 6 heures du matin pour tourner jusqu'à 11 heures le soir. 11 heures le soir, on était vraiment brûlés raides. Pendant une semaine intensive, on a travaillé fort, mais on n'a surtout pas beaucoup dormi. Je pense que Marie-Lou serait d'accord avec moi, ça serait le montage qui était vraiment l'étape la plus difficile et compliquée. Mais ça, c'était plus Marie-Lou qui s'en occupait. Sinon, niveau technique sur le plateau, c'était peut-être de un peu gérer les scènes puis les figurants et tout, puisque nous autres, on avait vraiment une idée fixe de qu'est-ce qu'on voulait. Bien, c'était vraiment de la transmettre aux acteurs. Pour réaliser ce projet personnel, les deux jeunes réalisatrices ont obtenu l'aide inestimable d'amis et de connaissances de leur âge. Mais des adultes ont aussi embarqué dans leur aventure. Merci aussi à l'Église Saint-Joseph de nous avoir prêté l'église pour une soirée de tournage. Merci à Dominique Marceau de l'École Jean Dunord pour l'éclairage des scènes du party. Merci à l'École Manicouté de nous avoir prêté l'auditorium pour la soirée. Un énorme merci à mon grand-papa Serge Lévesque de nous avoir prêté sa maison pour 5 jours de tournage qui commençait très tôt. Sans toi, le projet n'aurait pas pu se réaliser. Merci de nous avoir fait confiance, nous sommes extrêmement reconnaissants. Enfin, merci beaucoup aux familles Baudin et Arsenault d'avoir été présentes tout le long du tournage puis de nous avoir soutenus moralement autant que pour les nombreux livres qu'ils ont dû nous donner. Un gros merci aussi de nous avoir aidés à organiser les scènes pour le chalet et tout, en faisant des soupers, des collations, puis tout. Je pense qu'on n'aurait pas été capable de tenir le coup sans ça. Bien, la plupart des adultes, on a 3 adultes qui ont des rôles dans notre série. Il y en a une qui c'est ma tante, une ma mère, puis l'autre c'est le père à Marie-Lou. Fait qu'on n'a pas vraiment eu à les convaincre, ils ont plutôt embarqué quand on leur a demandé. Mais sinon, c'est ça, là, ça a bien été pour eux. Les rôles adultes. Elles ont tenu à faire un lancement officiel, un peu comme à Hollywood, entouré de leur famille, amis et participants. Pour faire parler de la série, pour la faire connaître le plus en plus avant qu'elle soit diffusée la semaine prochaine. Fait qu'en organisant ça, c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation. Il a fallu qu'on envoie les invitations, qu'on planifie la première ici. Mais je pense que aussi c'était pour nous féliciter toute l'équipe puis pouvoir assister tout le monde dans la salle à la diffusion des épisodes. Et les filles refusent de vendre la mèche, à savoir s'il y aura une suite à la série. On ne sait pas. Ouais. Avec le futur. Ouais. On ne veut pas répondre pour la suite des événements avec Adela. On ne sait pas encore même nous-mêmes qu'est-ce qui va arriver. On va attendre de voir, mais c'est sûr qu'on serait intéressé à faire d'autres projets comme ça. Là. La web-série est disponible sur la page YouTube de Marie-Lou Baudin. Nous mettons un lien sur notre page Facebook de Nous TV Côte-Nord.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie du 17 au 24 novembre, BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, nous a reçus dans ses bureaux de cette île. L'archiviste nous en apprend plus sur ce loisir à saveur historique qui se modernise. Ce qui diffère d'avant, c'est les outils. Donc, à place d'être juste par des répertoires de généalogie de mariage, bien là, on a divers autres outils plus numériques qui vont nous permettre de retracer plus rapidement notre généalogie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont très difficilement trouvables en généalogie quand on cherche? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très compliqué? Très compliqué, je te dirais que c'est surtout lorsqu'on sort du Québec. On n'a pas nécessairement tous les répertoires. C'est ce qui aide encore là avec Ancestry, exemple, qui couvre beaucoup plus large que chez nous. Donc oui, on va avoir quelques répertoires du Nouveau-Brunswick, vraiment les gens qui sont venus s'installer sur la côte. Mais aussitôt qu'on s'en va aux États-Unis, il faut vraiment faire affaire plus souvent avec des sociétés locales là-bas. Bien, justement, tu m'ouvres la porte là, des sites ou des applications comme Ancestry. Comment vous voyez ça? Est-ce que pour vous, c'est un outil supplémentaire? C'est de la compétition à ce que vous faites? Est-ce que c'est vraiment efficace? C'est vraiment efficace. Il y a une somme incroyable de documents numérisés en plus. C'est pas juste une base de données. Il y a des documents mis en ligne et il y a des petites difficultés dans le sens où les transcripteurs peuvent avoir fait des fautes de transcription. Donc, il faut essayer plusieurs termes de recherche pour vraiment localiser notre ancêtre, mais c'est presque instantané. Et on trouve ce qu'on cherche, mais il y a des millions de données, par exemple. Il faut être patient. À quel point vous, ici à cette île, la BANQ, avez, c'est ça, une banque de données exhaustive? Est-ce que vous êtes en lien avec le réseau? Est-ce que vraiment ici, localement, ou pour ce qui est de la Côte-Nord, vous avez vraiment une quantité de données incroyable? On n'a pas plus de données qu'ailleurs. On est quand même assez uniforme partout à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y a certains lieux, centres d'archives, qui va avoir un petit peu plus de répertoire, parce que nous, on se concentre plus sur la côte. Bien, on se concentre partout, mais on va privilégier plus des choses de la côte. Mais au niveau des répertoires de généalogie, là, on y va vraiment plus largement. Les bases de données, c'est les mêmes. BMS 2000, PRDH, Mes Aïeux, Ancestry, qui sont accessibles dans nos locaux sans frais. Ce sont des bases de données, généralement, chez vous, dont vous devez être abonné. Donc, payer des actes, tandis qu'ici, vous pouvez vous présenter et faire vos recherches sur nos postes informatiques sans frais. Gros avantage. Très gros avantage. Gros avantage. Là, je ne veux pas blesser personne par ma prochaine question, mais est-ce que la généalogie est un loisir pour les vieux? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent. On voit tranquillement un certain intérêt. Bon, on parle plus d'une tranche d'âge, peut-être de 35, 45, 50. Là. Peut-être que ça serait une belle opportunité de faire des partenariats avec le monde de l'éducation, d'inciter les jeunes à venir, soit venir ici ou qu'on aille leur expliquer c'est quoi, à trouver d'où ils viennent. Comme c'est le cas dans différents endroits au Québec, une activité grand public pour initier les gens à la recherche généalogique est organisée à cette île le samedi 24 novembre entre midi et 16 heures dans les bureaux de BANQ situés au 700 Laure, local 190. Sinon, pour plus d'informations, contactez le 88 964 84 34. TV, fier de faire rayonner notre communauté.